Bonjour à toutes et à tous, ben, c'est avec plaisir qu'on se retrouve donc sur la chaîne Le Média Indépendant où nous avions été suspendus quelque temps pour avoir partagé des vidéos qui n'ont pas plu. Cette vidéo sur le ridicule du pass sanitaire. Regardez. Je vais être très très court. Je viens d'être refoulé devant un EHPAD. Je suis ambulancier depuis 6 ans. Et aujourd'hui, je me pose la question du sens donné à la profession que j'ai décidé de faire, que j'ai décidé d'exercer. Non pas par dépit, mais par intime conviction d'aider l'autre. Ma mère est infirmière. On me refuse le droit d'entrer en EHPAD pour non-présentation d'un pass sanitaire au détriment du patient. Simplement qu'on se pose la question, qui est maltraitant? Qui ne considère pas qui? Les ambulances. C'est Ils fini. n'y ont pas pensé. C'est le cas de ce patient qui vient aujourd'hui pour une chimiothérapie. Je vois pas pourquoi on refuse l'entrée de l'hôpital aux gens. C'est anormal. C'est une aberration d'État. Face à cette situation tendue, le personnel de l'hôpital est appelé à la rescousse. Oui, d'accord. Et vous n'avez pas votre passe sanitaire, non. Ni votre certificat non. Covid. D'accord. Voilà. Avec une pièce d'identité, s'il vous plaît. Genre, je suis aux Tuileries et genre maintenant le pass sanitaire est obligatoire, vous voyez. Du coup pour les manèges je comprends, mais genre même pour acheter de la nourriture tu dois présenter parce que sinon tu peux pas acheter, genre même pour la nourriture, genre même si tu achètes la nourriture et que tu sors juste après, bah t'es obligé de présenter le pass sanitaire. Genre même pour la bouffe, enfin je sais pas, quand j'achète à bouffer je sors pour bouffer, enfin pourquoi je dois présenter le pass sanitaire? Genre ils sont trop cons. Des hôpitaux qui refusent des patients, des terrasses surveillées par la police, des ambulanciers bloqué. Enfin bref, tout un délire. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires.